tous. Bravo à tous, putain. Match compliqué parce que Rennes est une équipe qui avait perdu beaucoup de points les derniers matchs, donc ils sont venus ici un petit peu blessés. Maintenant, nous, on est à la recherche de points, chaque point est important pour nous. Et donc, bon, on a fait une mauvaise entame de match, mais dans l'ensemble, après, on a su réagir et on a été costaud. Bon, voilà, c'est trois points très importants. C'est une victoire qui fait beaucoup de bien. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer, on est encore... C'est une bonne bouffée d'oxygène, mais on sait le chemin qui nous reste à parcourir. On a fait ce qu'on avait dit avant le match, c'est-à-dire être costaud défensivement et après exploiter tous les coups de pied arrêtés, tous les contres et jouer les coups à fond offensivement. C'est ce qu'on a fait, on a essayé. Et, au bout d'un moment, ça a payé. Et franchement, on est ravis pour le club, ravis pour l'équipe qui a fait tous les efforts pendant 95 minutes. Voilà. Vraiment de la satisfaction d'un travail bien fait. Quand on est concentré, quand on est tous dans le même état d'esprit et qu'on est là, on est une équipe quand même assez solide et difficile à bouger. Et voilà, même si parfois c'est pas forcément spectaculaire. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de gagner des points et voilà, on l'a fait ce soir. Aujourd'hui, on regarde pas trop la prestation, même si je sais que le public a envie de jeu, est en manque de jeu. Maintenant, il faut qu'ils comprennent que bon, nous, on est dans une situation de points et que quelque part, on minimise les risques. Les matchs, on sait qu'ils sont très importants en ce moment. Et... Bonne prestation. Au niveau de l'engagement, on sentait que l'équipe avait envie de jouer. Et on a tout fait pour avoir les trois points parce que c'était vraiment important. Et le résultat est positif. Et encore bravo. Bravo aux amis. Bravo à toute l'équipe. Pour leur état d'esprit. C'est des joueurs athlétiques, c'est des joueurs qui vont vite. On était soumis à cette équipe qui est puissante. Maintenant, on a su, par une organisation et par la volonté, on a su les contrer, on a su être patient. Je pense qu'on a bien géré notre match. Je suis aussi content pour Georgie. C'est son premier but depuis qu'il vient d'arriver et voilà, ça peut que être bénéfique pour nous tous et pour lui. On est content du match, on va passer la soirée. Après, direct à partir de demain matin, on va penser au match de Saint-Etienne qui pour nous, voilà, maintenant il ne reste plus que 6 matchs. Et on a 6 matchs pour prendre des points et sauver le club. Donc c'est quelque chose de bien d'avoir pris 3 points ce soir. Mais on a vu qu'après, des fois, on se relâchait. Donc là, c'est vraiment important pour nous de montrer pareil, la même envie à Saint-Etienne. C'est, déjà, on monte ça. Après, on verra ce qui se passera. Mais déjà, je pense que si on a ces qualités-là d'abnégation, de rien lâcher jusqu'au bout, on obtiendra des points et c'est ce qu'il nous faut en ce moment. On sait que le calendrier est compliqué, mais je pense que aussi les grosses équipes, on n'est pas ridicule contre elles. On a su gagner contre Lille, voilà, donc... Contre Rennes, qui sont des équipes de haut de tableau, donc voilà, faudra aller à Saint-Étienne. On sait que ça va être compliqué, c'est le match du dimanche soir devant leur public et tout, mais il faudra faire preuve de solidarité tout simplement, et voilà, on va s'en sortir. On aborde comme tous les matchs, avec toujours cette pression sur les épaules, cette épée de Damoclès sur la tête. On essaye de préparer le meilleur match possible, et j'espère simplement que voilà, qu'on va répondre encore sur ce plan, ce point de vue mental, parce qu'il nous faut encore beaucoup de points. Thank you.